Oui, au sol. Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis c'est le 14 juillet et qui dit 14 juillet bah dit feu d'artifice hein, tout simplement. Donc il y a un feu d'artifice qui va être tiré dans très peu de temps là au fond là-bas, sur la mer, donc on ira voir ça tout à l'heure. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ça tire là déjà. Oh la vache, j'ai entendu des coups de feu, alors attendez je vais finir mon intro. Donc on est ici pour sécuriser les lieux, hein, la fête foraine, tout ça. On est le PSIG aujourd'hui. Et on va bouger, on va tourner là. Oula, attendez, là ça tire là. Ça tire où là? Donc les amis, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Hein, et on va aller voir ça tout de suite. Ok, c'est là-bas que ça tire. Donc on va essayer, on a mis un petit dispositif à l'entrée, je sais pas si vous avez eu le temps de voir, avec des barrières et tout pour éviter que les voitures rentrent dans la foule là. Alors attendez, il y a eu des coups de feu de tirer là. Là il n'y a plus personne. Ok bah ça commence bien la fête. Il n'y a plus un chat là. Alors attendez, je sais pas si c'était des pétards ou des coups de feu, mais à mon avis ça avait l'air d'être des... Ah, ah bah attendez, ça commence. Ah bah ça commence le feu d'artifice là. Ok, bon, on va se mettre ici. On va aller regarder vite fait. Et après on ira patrouiller tranquillement. Je vous laisse profiter quelques instants du feu d'artifice les amis. Je vais me mettre en vue FPS. Je vais enlever mon arme. Hop là. Et on va profiter du feu d'artifice ensemble. Ok, bon bah voilà, c'est fini. Ça vous a plu les gars? Est-ce que ça vous a plu? Ok, bon. On va aller patrouiller, nous on va tourner parce que là la fête vient de commencer. Hein. C'est pas fini, la soirée ne fait que commencer. Donc on va tourner aux alentours là pour voir s'il n'y a pas de débordement, tout ça. Et je vois que là-bas il y a déjà un point rouge. Donc on va aller voir ça tout de suite. Ça se trouve c'est le gars qui a tiré tout à l'heure. Parce que ça c'est pas... Je sais pas si c'était des pétards ou des... Des coups de feu qui ont été entendus là. Donc en tout cas il y a une sacrée ambiance à la fête foraine. Bah qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a quelqu'un qui vient de percuter le barrage. Ok bah lui... Ok, doucement les gars, c'est bon, je m'en charge, je percute tout le monde aussi. Ok, je m'en charge les gars, je m'en charge, il est où là? Il est là. Eh ben, ça commence bien les amis. Heureusement qu'il y avait les barrières de sécurité, sinon lui il serait rentré dans la foule là, à mon avis. Par contre, j'ai abandonné mes collègues là. Là, ça c'est pas bien du tout.
Arrêtez-vous, monsieur, descendez du véhicule, la gendarmerie, c'est le PSIG. Descendez là. Ah si, j'ai un collègue avec moi. Descendez du véhicule, descends, descends. Au sol, mets-toi au sol, au sol, au sol. Eh, mets-toi au sol, dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il a acheté là? Il a acheté un truc. Au sol là, dépêche-toi. Attendez, je vais éteindre le deux tons. Il y a mes collègues qui sont arrivés à pied là. Alors monsieur, là, mettez les mains derrière le dos, là, dépêchez-vous. Vous avez percuté un barrage de gendarmerie là. Alors vous allez venir avec nous et vous allez vous expliquer là. Mettez-vous à genoux là. Alors, attendez, je vais vous fouiller. Voir si vous avez rien de. Ah, relevez-vous là. Relevez-vous. C'est ça pour le fouiller, ouais. Vous vous fouillez, ouais. Vous avez rien de dangereux sur vous, monsieur. Je vais voir ça tout de suite, de toute façon. Ok, donc ça part vite ici. Hein. Il y a les collègues de la police qui sont là. Ok, il avait rien de dangereux sur lui. Mais il a voulu percuter un barrage de gendarmerie. Heureusement qu'on avait prévu le coup et qu'on est. Oula, mais ils sont malades. Mais les gars, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il est complètement. Ma bagnole. Oh la vache. Mais il est complètement taré celui-là. Mais attendez, je vais l'arrêter lui. Toi là, descends de là. Descends. Mais complètement. Il est complètement bourré lui. Descends là. Oh Patrick là. Descends du véhicule là. Ok, bah il veut rien entendre. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Bon bah c'est pas grave, de toute façon il est bloqué là. Il va pas aller bien loin maintenant. Bon, ils ont emmené l'autre gars. On va souffler un peu. Elle est où ma bagnole? Elle est là-bas. La vache, il m'a descendu la bagnole. J'avais mis le frein à main pourtant. Bon. On va retourner là-haut. Et on se retrouve après. Ok, on va voir ça tout de suite. On nous a signalé un véhicule abandonné, là, un véhicule suspect. Qui a été garé. Ok, on va aller voir ça. Allez les gars, montez. On va aller voir ce qui se passe là-bas. Un véhicule suspect qui a été abandonné. On va aller voir s'il n'a pas été volé, tout ça. Alors, on va passer où? Non, on va passer là. Ouais, c'est fou. On va passer ici. On va passer là. Hop là, petit passage secret. Hop là, on va descendre ici. C'est vous, messieurs, dames. Il y a encore un peu de monde à cette heure-là, dis donc. Alors. On va aller voir ça là-bas. Où le véhicule là? C'est lui qui est devant nous là? Ok. On va aller contrôler ça. Qu'est-ce qu'il me veut lui faire? Non, il ne veut pas faire X. Alors, véhicule suspect apparemment. Ah oui, il était. Ah oui! Ah, bah oui, il est au milieu de la route le merde, le truc là. Attendez monsieur, attendez. Hein. On va s'occuper du véhicule là. Je vais fouiller. Je vais le fouiller déjà pour voir s'il n'y a rien de. Le suspect à l'intérieur. Ok, là, il n'y a rien d'intéressant. Je vais faire une vérification de plaque. On va voir s'il n'a pas été volé. Target vehicle license plate. 6-6 Charles Edward George 5-6-3 No 1099. Je vais le fouiller. Continuer la fouille. Attendez, monsieur. Hein. Il y a la dépanneuse qui va arriver. Je vais l'appeler tout de suite. Hop là. Fouiller les portes à l'arrière là. Allez, fouille là. Non, je veux pas. Ah, mince. Oula, pardon monsieur. J'ai arraché la porte. Bah oui, t'es là aussi toi. Oh. Je vais le bouger moi-même. Ah bah, il y a les clés dessus en plus. Ah bah, montez pas les gars, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il fait là, lui, là-bas? Il est tout seul, il est suspect, lui. On va le contrôler après. Ok, là, il n'y a rien d'intéressant derrière. Dans le coffre. Ah, bah, il nous agace, et oh.
Ah, il y a une assurance de véhicule, d'un autre véhicule. Dispatch calling unit 1, Adam 12. Ah, attendez, je vais reprendre le nom du propriétaire. Mais il m'a emmené, voilà. Wow. Ok, je vais aller voir lui là. Il m'a l'air bizarre. Lui. Bonjour monsieur. Je vais demander votre. On va faire un petit contrôle là. Présentez-moi votre carte d'identité, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez vu votre appartement de véhicule, unit 1, Adam 12. Non, non, on n'a rien d'intéressant. Attendez, si. Faire une recherche sur lui. Non, rien. Ok, bah tant pis. Ah, attendez, est-ce que je peux reprendre la plaque? C'est de reprendre la plaque, je veux... Mince, non, non, non. Attention all units, like 1, Adam 12, 4, 6, Edward, King, 5, 7, 2, 1099. Copy that, we are on our way. Copy that, taking a look. Roger, dispatch, we are en route. Suspect's license plate. 6, 6, Charles, oh, Edward, putain. George, 5, 6, 3, no, 1099. C'est quoi votre nom à vous déjà, monsieur? Vous faites voir votre carte d'identité, moi. Thank you. Ok, c'est pas ça. Bon. C'est pas lui. Eh, qu'est-ce qui se passe, là? Ah non, j'ai appelé du renfort, je crois bien. Mince. Les gars, fausse alerte, vous pouvez repartir, je me suis gouré, là. Je me suis gouré, les gars. Vous pouvez repartir, excusez-moi. Bon, bah nous, on va continuer notre petite patrouille. Hop là. Alors. On va continuer la patrouille en voiture. Hein. De toute façon, on va faire une dernière intervention, je pense. Et ça sera la fin. Pour cette vidéo spéciale 14 juillet, donc j'espère qu'elle vous aura plu, mes amis. Donc si ça vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. Hein. Citizens report a suspicious vehicle in Del Perro Beach. On va aller sur la plage là-bas. Oula, j'ai pas vu lui. alors, on va aller sur la plage, il y a un appel là qui vient d'arriver. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que je le vois d'ici? Oh là, il y a un gars qui court. Ouais. Attention, je crois qu'il a planté quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que ça? Vespucci Beach. Units respond code 3. Eh ouais, tu peux faire semblant. Eh, je t'ai vu, hein. Eh, au sol, mets-toi au sol, dépêche-toi. Viens là, toi. Viens là. Papier d'identité, s'il te plaît. Je vais appeler les pompiers direct. We have an ambulance requested in Vespucci Beach. Ah, attendez, je vais m'éloigner. Faire une recherche sur lui là. Il est où le truc là? Bon, bah, je peux pas. Ok, monsieur, je vais vous fouiller là. Tournez-vous. Voir ce que vous avez sur vous. Est-ce que vous avez quelque chose de dangereux sur vous là? Il y a un homme au sol là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Hein? Alors, qu'est-ce qu'on a sur lui? Un PCP. Ok, bah ça c'est quelque chose de dangereux, je pense. Donc alors, vous m'avez donné ça, ok. Monsieur, je vous demandais de mettre les mains derrière le dos, là, s'il vous plaît. Allez hop, je vous embarque, vous. Non mais... Et où sont les pompiers là? Oh là, bah ils sont là. Eh hey, mais t'es malade toi. Oh. Ok, bah va t'occuper de la victime, je vais m'occuper de toi après là. Ça va Patrick ou quoi là? La vache, comment il l'a percuté. Ouais. Lui je vais m'occuper de lui après, là. Je vais faire un petit dépistage de stupéfiants et tout. Aux pompiers là. Assistance needed for a suspect placed under arrest. Oh, t'as pas de côté de cassé, là, we copy you. On standby. T'as percuté violemment, là. Ok, et pas bien. Ok, toi tu viens. Viens ici, toi, par contre. Viens là, là.
Voilà. Là, j'ai demandé ton permis de conduire et tout le bazar, là. Ok, donne-moi ta carte, là. Merci. Hop là, je fais une recherche sur lui, là. Alors, ok. Donc, il a le permis. C'est bon, c'est ce que je voulais voir. Par contre, monsieur, je vais vous faire un dépistage de stupéfiants et d'alcoolémie, là. Je vais pas vous laisser repartir comme ça. Donc, soufflez là-dedans, s'il vous plaît. Oula, ils sont où, les collègues? Ah, ok, ils sont mis en position de... En appui. Au cas où. C'est qui, ça? Ah, c'est la morgue. Ils ont emmené le corps. Ok, bah mince, j'ai pas vu, du coup, le taux d'alcoolémie qu'il avait. Ressoufflez, s'il vous plaît. Ressoufflez là-dedans. You're too kind. Ça me dit pas le résultat, c'est quoi ce bordel, là? Tac. Drogue test. You're too kind. Mince, ça... Ah si, négatif. Ok, négatif au produit stupéfiant. Et l'alcool, alors? Jesus Christ! Allez, soufflez bien fort. You're too kind. Bon, ça veut pas marcher. On va faire autrement. Je vais chercher l'autre appareil. Hop. Voilà, soufflez là-dedans. Ok, zéro. Bon. Vous avez de la chance, hein. Vous pouvez repartir, mais la prochaine fois, faites gaffe, les gars. Ouais, ouais. Allez. Bonne soirée quand même. Attends, oula, gaffe. Là, tu. Mince. J'ai pas les. Oh, j'ai perdu les clés du véhicule, donc c'est pas grave. Casser la vitre. Et lui, vous le laissez là, le clown, là? Allez hop, il fera les pieds, il reste là pour la nuit. Bon, bah les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici. J'espère que ça vous aura plu, hein. Donc demain, normalement, bah, c'est la Coupe du Monde, hein. C'est la finale France-Croatie. Donc je vais peut-être sortir une vidéo. Donc soyez au rendez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, salut, et allez les bleus!